De devenir une légende, un symbole pour la société, et d'avoir une voix exagérément grave. Je suis devenu... Je suis... Canarman. Le testeur de jeux rétro. Très bien. Ben, c'est pas aussi dynamique que j'aurais pu le croire en regardant la jaquette, a priori. Il y avait les magazines, hein, et encore je crois que les magazines c'était plutôt sur la période 16 bits que 8 bits. Il y avait les quelques très rares émissions de jeux vidéo à la télé, et enfin il y avait le pire des moyens, c'était de se fier à la jaquette. Alors oui, c'est très difficile aujourd'hui en 2011 d'imaginer qu'on pouvait acheter des jeux en se fiant uniquement à la tronche de la jaquette, mais pourtant c'était souvent le cas. Et le problème c'est qu'étant gamin, ben, tu te faisais souvent avoir par les conneries qui avaient marqué au dos des jaquettes quoi. Ben franchement on va faire un jeu, je prends des jaquettes au hasard, et chaque fois que je lis une grosse connerie, je bois un coup. En fait, ce genre de mensonge, c'était surtout vrai pour les jeux un peu genre simulation, vous savez. Mais surtout, le problème de ce jeu de combat, c'est ça. Mais... Ah... Yeah. Non. What? Enculé! Merde! Vous imaginez jouer ça sur une vraie borne d'arcade, l'argent que vous devez claquer ? Money, money, money. Ouais, vous avez perdu tout votre argent en jouant à Street Fighter, hein ? Oh, j'ai perdu que 5 parties, mais j'adore foutre ces panneaux à vendre sur la maison. Ah bah dommage que ce jeu soit plus joué aujourd'hui, hein, ça serait drôle. Ken Bogard, commentateur de jeux de combat, présente Street Fighter 1. Et on est parti avec le dégueur ni d'entrée de saga TF1. C'était Ken Bogard, commentateur de jeux de combat, qui présentait Street Fighter 1. Bon, allez, je prends un autre niveau, je galère, je crève une fois, je crève deux fois, je crève trois fois, je recommence, je m'énerve, je vais tuer des chiens dans la rue pour me passer les nerfs, je... Hein? Mais non, mais j'ai jamais fait ça, mais enfin, mais c'est pas une rue, c'est une avenue. Ok, alors donc tout commence par une mise en situation, hein. On nous explique que les méchants sont très méchants, qu'il faut trouver leur base, que l'ennemi s'appelle le leader fou, qu'il est vraiment pas content, et oui, non, je sais pas non plus pourquoi le leader fou c'est un orque, me demanderez pas. Alors, c'est parti. Oui, bon, ok, ça bouge pas. Ah,
Non, B, non, select, non, non, start. Ah, ok, c'est start pour démarrer. Bon, très bien. Déjà, pour décoller, première galère. Bouton haut. Ok, c'est pas ça. Bouton bas. Non plus. Gauche et droite, mais non, évidemment, c'est pas ça. Putain, je réessaye bas. Putain, mais... mais c'est un truc de fou, ça, allez. Mais, ou alors, je suis con, sérieux, mais le seul truc que j'ai trouvé, en fait, pour décoller cet appareil, c'est d'effleurer très légèrement le bouton bas de la manette. Finalement, que ce soit avec des femmes en bikini, des tractopelles, des mecs mal déguisés ou des combattants qui ont 12 fémurs dans leur corps, l'important d'un jeu de combat, c'est pas son univers, c'est qu'il ait une bonne réalisation. Je veux dire, faites des jeux de baston avec n'importe quoi, des rappeurs, des grands-mères, des poissons, on s'en fout tant que c'est bien fait. Mais surtout, n'oubliez pas, l'important c'est de bien choisir son personnage pour finir le jeu. Ha !